Pourquoi un homme avec un béret et un t-shirt de marin représente la France? Bonjour, Jérémy. Bonjour, mes amis. Oh, Jérémy, toi es foncé? Pourquoi? Parce que tu portes un béret. Un béret? Oui. Ah, monsieur? Oui? C'est vrai que les Français portent un béret? Bonne question. Aujourd'hui, seuls certains Français portent un béret. Mais c'est vrai que le béret est un symbole de la France parce qu'il est porté en France depuis très longtemps. Tout d'abord, le béret est une coiffe. On dit aussi un couvre-chef, c'est-à-dire un accessoire pour couvrir la tête. Il y a différents types de couvre-chef, comme le chapeau, la casquette, ancienne ou moderne. Monsieur, béret, c'est le mot français? Béret est un mot gaulois. De la langue gauloise, il est passé en latin, puis en français. Au 19e et au 20e siècle, il était beaucoup porté à la campagne par les hommes. On porte un béret seulement à la campagne? Non. Les artistes aussi aiment le béret. Et les femmes? À partir des années 1930, le béret est devenu un accessoire de mode féminin, grâce notamment à Coco Chanel. Coco Chanel a conseillé à l'actrice Michelle Morgan de porter un béret dans le film Le Quai des Brumes, réalisé en 1938. D'autres actrices célèbres ont porté un béret, comme Greta Garbo ou Brigitte Bardot. Aujourd'hui, le béret est toujours un accessoire de la mode féminine. Et les hommes? Le béret masculin existe toujours. Il fait partie de l'uniforme militaire dans des pays du monde entier, pour les hommes comme pour les femmes. Il existe un autre type de béret militaire, le béret de marin, avec un pompon rouge. Et le t-shirt bleu et blanc? C'est vrai, c'est un autre symbole de la France. Le t-shirt rayé, bleu et blanc. On l'appelle la marinière. La marinière était portée par les marins pêcheurs, puis par les marins de l'armée, dès le 19e siècle. Et puis, comme pour le béret, la première femme célèbre qui a porté une marinière est Coco Chanel. Et aujourd'hui, la marinière est toujours à la mode, monsieur? Oui, bien sûr. Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier ont intégré la marinière à leur collection de haute couture. Alors voilà, le génie français, c'est peut-être de prendre un vêtement ordinaire, comme le béret ou la marinière, et d'en faire un accessoire de mode célèbre dans le monde entier. Monsieur, la baguette de pain, c'est aussi un symbole de la France? Oui, mais la baguette, c'est une autre histoire. Thank you.